Bonjour, je suis Guillaume, je suis responsable d'affaires pour la construction d'une centrale photovoltaïque à Paulmy, du côté de Tours. Omexom est présent sur ce projet sur l'ensemble du processus de la construction de la centrale, depuis la conception jusqu'à la mise en service et également l'exploitation maintenant sur les 20 prochaines années. Je m'appelle Victor, je suis chef de projet construction chez Neoen, producteur d'énergie et propriétaire de la centrale photovoltaïque de Paulmy. Je suis en charge de la construction du projet de Paulmy et donc je gère à la fois les échanges avec Omexom pour la construction en direct, avec Enedis pour le raccordement électrique et avec le fournisseur de modules solaires. Pour accélérer le développement du solaire en France, la commission de régulation de l'énergie encourage le développement de projets de reconversion de terrains dits dégradés, notamment d'anciennes carrières en fin de concession ou en friche. Le plus grand défi pour cette centrale, c'est de construire un terrain compatible à la construction d'une centrale photovoltaïque. C'est-à-dire que nous avons dû qualifier les matériaux en place pour créer une méthode de mise en œuvre en déblai-remblai afin de créer un site qui soit compatible à la mise en œuvre de fondations de type peu battu. Sur ce type de projet, nous nous engageons sur les délais, bien sûr, mais également sur la performance de la centrale, c'est-à-dire la quantité d'électricité injectée sur le réseau pour les 20 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons à installer 26 000 modules, ça représente 11,7 MW crête de puissance photovoltaïque, et cela permettra de produire de l'électricité pour 3500 foyers selon leur consommation annuelle. Réussir la transition énergétique, c'est la mission d'Omexom, en s'appuyant sur son réseau d'entreprises à travers le monde et sa position sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie.